Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, nous vous bénissons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je sais que vous êtes là si nombreux pour attendre cet enseignement que nous avons tant annoncé depuis quelques jours sur ce grand thème qui est tout simplement la délivrance, diagnostic et remède. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons pour votre amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous accepter chez vous. Je sais que vous êtes vraiment intéressé par ces thèmes parce que beaucoup de gens aujourd'hui cherchent la délivrance. Beaucoup de gens veulent connaître un tout petit peu mieux sur ce sujet la délivrance. Il est vrai que comme d'habitude, plusieurs enseignements, je dirais même des faux enseignements sont répandus ça et là, partout sur l'internet, où on parle de la délivrance, mais de façon tout à fait erronée. Et je sais que c'est un thème de prédirection pour beaucoup de gens, parce que derrière ça, ils tirent profit euh, de l'argent matériel, ainsi de suite. Ils s'enrichissent, en fait, derrière le vrai problème des gens. Voilà, les gens ont besoin de la délivrance, les gens souffrent. et eh bien, euh, la plupart des faux pasteurs sur l'Internet, ils utilisent ces thèmes avec euh, une, cette approche euh, vraiment euh, erronée dans le sens de détourner le peuple de Dieu. Voilà pourquoi on ne peut pas combattre les faux en gardant silence. Les faux, on les combat en présentant ce qui est vrai, ce qui est euh, réel, la réalité, la vérité. Voilà pourquoi nous sommes venus avec la vraie parole de Dieu selon ce qui est écrit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà, pendant un long moment, nous allons partager avec vous sur la délivrance, diagnostic et remède. Bien-aimé dans le Seigneur, ça fait plus de 30 ans que je suis dans le Seigneur et ça fait plus de 15 ans que je suis dans le ministère. Bien-aimé dans le Seigneur, je vécu tout au long de ma vie beaucoup d expériences sur la délivrance. Et c'est la connaissance que j'ai de la parole de Dieu, plus les expériences que j'ai vécues sur la délivrance, que j'aimerais tellement partager avec vous. afin que vous soyez édifiés. Je prie que ceux qui vont se retrouver dans plusieurs choses que je vais dire, que ces gens soient délivrés au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous voulons prier, recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Dieu de gloire, je te prie de prendre contrôle de ces instants. Saint-Esprit, enseigne-nous, selon ce qui est écrit, le Saint-Esprit nous enseignera sur toutes choses. Ta parole nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je prie que ta vérité nous affranchit. Merci pour ces moments. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Eh bien, qu'est-ce que nous allons dire tout au long de cet enseignement nous allons parler en pratique, beaucoup en pratique, sur ce qui concerne la délivrance. Voilà un peu le sommaire de ce que nous allons parler. Nous avons subdivisé notre enseignement en plusieurs chapitres. Comme ça, euh, ça va bien nous aider pour avancer. Premier chapitre, concept général sur la délivrance spirituelle. Nous allons nous étaler sur ces concepts généraux sur la délivrance spirituelle. Deuxième chapitre, pourquoi devons-nous pratiquer la délivrance ben, Les raisons qui font à ce que nous puissions pratiquer la délivrance. Troisième chapitre, un aperçu général sur le monde des ténèbres. Nous voulons jeter un coup d'œil dans le monde des ténèbres. Essayez de voir, bibliquement parlant, pas allant au-delà de ce qui est écrit. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas combattre un ennemi que vous ne comprenez pas. Donc, nous allons essayer de jeter un coup d'œil sur le monde des ténèbres. Qui Chapitre 4, qui doit être délivré Est-ce que c'est tout le monde Est-ce que c'est une partie des gens Qui doit être délivré Nous allons voir ça. Chapitre 5, les origines de nos problèmes. Voilà, nous allons essayer de voir les origines, au fait, de nos problèmes. Chapitre 6, les portes d'entrée spirituelles. Voilà, le porte. Où les démons peuvent entrer pour détruire les peuples de Dieu, pour semer la zizanie. et eh nous allons voir toutes ces portes d'entrée. Chapitre 7 la délivrance contre les pactes et les liens de la famille. Nous allons voir la délivrance contre le pacte et les liens de la famille. Plusieurs pactes, plusieurs liens. Eh bien, nous allons essayer de s'étendre sur ça. Chapitre 8. La délivrance contre les attaques et les œuvres des ténèbres. Voilà, les attaques et les œuvres de ténèbres. Chapitre 9, la délivrance contre les esprits de contrôle. Il y a des esprits qui contrôlent. Eh bien, nous allons nous étaler sur ça. Chapitre 10, la délivrance contre les esprits de réclamation. Eh bien, là, nous allons voir les esprits des réclamations. Chapitre 11, la délivrance contre les échecs requérants. Vous vivez toujours des échecs dans vos projets, dans tout ce que vous faites, échec après échec. Eh bien, nous allons voir cela. Chapitre 12, la délivrance contre la pauvreté. Eh bien, la pauvreté, nous allons expliquer, bibliquement parlant, c'est quoi la pauvreté, les dangers, tout, 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 nous allons parler dans ces chapitres. Chapitre 13, la délivrance contre les maladies ténèbres. Il y a des maladies, vous pouvez aller médecin après médecin, vous ne trouverez jamais, jamais un bon résultat, vous ne trouverez jamais la guérison parce que les origines sont tout simplement ténèbres et comment se débarrasser de, ces, de toutes ces maladies. Chapitre 14, la délivrance contre les œuvres de la chair. Aujourd'hui, bien des chrétiens sont sous les œuvres, l'emprise des œuvres de la chair et nous allons essayer d'en parler. Chapitre euh, euh, 15, pourquoi certaines personnes ne sont toujours pas délivrées Ils vont église après église, prophète après prophète, ils n'ont jamais été délivrés. Eh bien, nous allons voir les raisons qui font à ce que ces bien-aimés n'ont jamais été délivrés. Chapitre 16, les remèdes et les instructions. Qu'il faut pour votre délivrance. Donc, quels sont le remède et les instructions qu'il faut afin que vous soyez délivré Voilà un peu bien aimé le sommaire de ce qui fera notre euh, enseignement pendant ces longues, cette longue période où je vais commencer à enseigner chaque jour à 22h juste dans notre chaîne YouTube. Voici l'époux. Premier chapitre, concept général sur la délivrance spirituelle. Point 1, question fréquente. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, dans cet enseignement, je vais profiter pour répondre à plusieurs questions qui me sont toujours posées par rapport à la délivrance. Première question, c'est quoi la délivrance Beaucoup de gens me posent souvent cette question, c'est quoi la délivrance Deuxième question. La délivrance que Christ nous accorde à la conversion est-elle complète eh Parce que nous parlons que nous sommes délivrés lorsque nous nous sommes convertis et après, les gens ont besoin encore de la délivrance. Eh bien, les gens se posent la question, est-ce que la délivrance que Christ nous accorde à la conversion est-elle complète Troisième question. Pourquoi avons-nous encore besoin de la délivrance alors que le Seigneur Jésus-Christ nous a déjà délivrés Vous voyez Donc ce sont de telles questions que notre enseignement va essayer de répondre. Quatrième question, est-ce que tout le monde doit passer par la délivrance Est-ce que vraiment tout le monde doit passer par la délivrance Cinquième question, qui a besoin de la délivrance Sixième question. Je suis chrétien et je marche dans la sanctification, mais je me sens encore lié dans bien des domaines de ma vie. Dois-je chercher ma délivrance Eh bien, la plupart des chrétiens disent que ce n'est pas possible. Moi, je crains Dieu, moi, je marche dans la sanctification, mais qu'est-ce qui fait que j'ai encore des, des domaines où je me sens lié Eh bien, nous allons voir tout ça. Qu septième question, quels sont les signes d'une personne possédée quels sont les signes qui attestent que cette personne est possédée? Huitième question. Dois-je aller chercher un prophète pour ma délivrance? Est-ce que je suis obligé d'aller chercher un prophète, un pasteur pour ma délivrance? Neuvième question. Est-il possible de faire l'autodélivrance? Nous allons essayer un peu de parler de l'autodélivrance. Beaucoup de gens en parlent. Nous allons essayer de voir ça. Dixième question, devons-nous payer de l'argent pour obtenir la délivrance Eh bien, nous allons essayer. On m'a demandé ceci, cela, pour que je sois délivré. Nous allons essayer de voir euh, si il faut payer de l'argent pour avoir la délivrance. Point 2, les combats spirituels. Alors, pour commencer ce point D, j'aimerais que nous puissions lire ensemble avec vous dans 1 Pierre au chapitre 5, 8 à 9. 1 Pierre chapitre 5, 8 à 9, la Bible nous dit, Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. La Bible dit, Soyez sobres. Ça c'est l'apôtre Pierre qui est en train de dire à nos bien-aimés. À vous, à moi. Soyez sobres. Veillez votre adversaire. Vous avez un adversaire. Il ne faut pas se comporter comme quelqu'un, voilà, euh, euh, voilà, qui est euh, qui en sécurité, voilà, qui s'en fiche de tout. Eh bien, non. La Bible dit attention, vous avez un adversaire. Les, cet adversaire, c'est le diable. La Bible dit « Il rôde tout autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Vous devez lui résister. L'adversaire cherche qui dévorer. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons bien identifier et bien connaître notre adversaire. La plupart des bêtises, des erreurs que les enfants de Dieu commettent, ils ignorent tout sur leur adversaire. C'est vrai que nous ne devons pas aller en profondeur comme je vois toujours des gens qui cherchent à connaître les noms des démons. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait, ceci, cela. Non, ce n'est pas vraiment si important d'autre chose. Nous allons nous atteler à ce que la Bible nous dit. Il ne faut pas aller au-delà. Je ne vois pas pourquoi vous allez commencer à chercher des noms des démons, à chercher ceci, cela, ça n'a pas d'importance. Les démons seront chassés au nom de Jésus-Christ. Nous n'avons pas. Euh, voilà. Nous voulons beaucoup plus connaître Jésus dans sa profondeur, dans son hauteur, dans sa largeur. Hein, dans, de, voilà. Nous devons plus connaître Jésus, pas chercher trop à connaître les démons. C'est-à-dire, même lorsque nous allons parler du monde des ténèbres, il y a des limites que nous n'allons pas aller. C'est juste pour nous donner des informations qu'il nous faut, afin que notre combat soit très bien orienté. Donc, nous avons un adversaire qui rôde tout autour de nous, qui cherche à nous détruire. Et nous, nous devons lui résister par la foi. Ça, c'est quelque chose que tout enfant de Dieu doit comprendre. Maintenant, écoutez ce que Ephésiens est en train de nous dire. Paul, qui écrit aux Éphésiens au chapitre 6, le verset 10 à 13. La Bible dit Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance revêtez vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Paul est en train d'enrichir. Il, il, il enrichit ce que notre bien-aimé Pierre nous a dit. Il dit Oui, non seulement les diables rôdent tout autour de nous, cherchant qui dévorer, mais le problème qui est là, c'est que nous sommes en guerre. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Le vrai combat que nous avons, ce n'est pas un combat physique, mais le vrai combat que nous avons, c'est un combat spirituel. Je dis, c'est un combat spirituel spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre le, 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 voilà, les, les gens que nous sommes en train de voir, même lorsqu'ils ont un comportement bizarre contre nous, mais nous luttons contre les esprits qui sont derrière ces gens, les esprits qui influencent ces gens de nous attaquer, de nous détruire, les esprits qui agissent derrière ces gens. Vous voyez, c'est ça où il y a les, 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 le vrai combat. Pierre, il était toujours avec, avec Jésus. Jésus était toujours avec Pierre. Mais il y a eu un jour où Jésus regarde Pierre, il dit, arrière de moi, Satan. Ce n'est pas que Jésus a renvoyé Pierre, il a rejeté Pierre, mais il a vu l'esprit. Qui parlait à Pierre, c'était tout simplement l'esprit de Satan. Vous voyez, le gros des problèmes, ce ne sont pas des individus, mais ce sont des esprits qui sont derrière les individus. Bien aimé, si vous vous focalisez seulement sur les individus, vous aurez beaucoup de problèmes inutiles avec des gens. Mais nous devons plus nous focaliser sur les esprits qui sont derrière les individus. Et ça, c'est très, très important. Bien aimé dans le Seigneur. Il existe un vrai combat spirituel entre le force du bien et le force du mal, entre la lumière et les ténèbres, entre le royaume de Dieu et le royaume du diable. Nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes en guerre. Surtout vous qui avez accepté Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes en guerre, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en guerre. Voilà pourquoi Pierre... Et Paul nous réveille l'esprit pour que nous comprenions les combats spirituels, pour que nous comprenions les enjeux qui sont tout autour de nous, pour que nous comprenions notre position, afin que nous puissions bien tenir ferme par la foi. Bien-aimé, si vous ignorez cette réalité, vous risquerez un jour de se retrouver par terre. Vous ne devez pas vous ignorer ces réalités du combat spirituel. Vous devez toujours, bien-aimé, dans le Seigneur, comprendre que nous sommes dans le combat spirituel donc la lutte, euh, la confrontation entre des royaumes. Écoutez, par exemple, ce qu'il nous dit dans psaume 91. Le psaume 91, 5 à 7, il nous dit « Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni les flèches qui volent du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » En plein midi. « Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Voilà un peu... David, comment il décrit dans le psaume 91 ce qui se passe? Il est dit il y a la terreur dans la nuit. La nuit, quand nous dormons, bien aimé, dans le Seigneur, on se réveille. Ce n'est pas une habitude. C'est pour cela il faut toujours bénir le Seigneur. Lorsque tu te réveilles, tu es en forme, tu as le souffle de vie, bénissez le Seigneur. Parce que la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. La terreur de la nuit, bien aimé. La Bible nous dit les joues, il y a les flèches qui volent. Mais vous vous promenez, peut-être vous ne voyez pas tout, euh, toutes ces flèches qui, euh, qui volent, bien aimé dans le Seigneur. Mais laissez-moi vous dire, la journée, il y a des flèches qui volent, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, ni, la peste qui marche dans le ténèbres. Je ne savais pas que la peste avait de pieux. La, le, la peste marche, bien aimé dans le Seigneur. Le coronavirus, les virus, le, 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 tout ce que nous sommes en train de voir, bien aimé dans le Seigneur, ce sont des choses, des ténèbres qui sont lancées. Ne voyez pas seulement dans l'angle un virus, un ceci, cela, mais voyez beaucoup plus dans l'angle spirituel. Ce sont des choses, des ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, des maladies contagieuses, des maladies qu'on jette sur les gens. « Que mille tombent à ton côté et dix mille à droite, tu ne seras pas atteint. » Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, c'est pas facile. Il y a des flèches qui tombent à notre gauche, des flèches qui tombent à notre droite. Donc, nous sommes dans une vraie réalité du combat spirituel. Quand vous lisez, par exemple, dans Nombre, au chapitre 23, le verset 23, la Bible dit, L'enchantement ne peut rien contre Jacob ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël qu'elle est l'œuvre de Dieu. L'enchantement et la divination ne peuvent rien contre Israël. Donc, tout autour de nous, au-delà des flèches, au-delà des, 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 des contagions, au-delà des, 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 des terreurs, au-delà de tout ce qui se passe, ajoutez à cela l'enchantement, la divination, la sorcellerie, le maraboutage, l'occultisme, toutes ces choses bien-aimées sont là, tout autour de nous. C'est pour cela, notre environnement spirituel est semblable à un vrai champ de bataille. <laughs> Les attaques viennent de Côté, nous sommes comme dans un champ de bataille, mes bien-aimés. N'oubliez jamais ça. Nous sommes comme dans un champ de bataille. Je dis à quelqu'un Vous êtes dans un champ de bataille. Voilà pourquoi Paul est en train de dire aux chrétiens Nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu pour résister. Il est possible que les enfants de Dieu soient victimes des attaques du diable ou se retrouver coincés dans ces pièges. Donc, nous sommes dans un champ de bataille. Et dans ce champ de bataille, les flèches viennent de tous côtés. Les attaques viennent de tous côtés. Vous avez vu vous-même ce que j'ai essayé de décrire. Donc, à la moindre distraction, à la moindre faux pas, ou par je ne sais pas moi quoi, un enfant de Dieu peut être victime des attaques du diable. C'est pour cela que nous sommes en train de parler de cette délivrance parce que bien-aimé dans le Seigneur, il est possible, je dis il est bien possible qu'un enfant de Dieu puisse être victime, alors je dis victime des attaques du diable. Le diable n'a peur de personne. Il tente autant de fois culpé un enfant de Dieu pour le détruire. Laissez-moi vous dire, le diable n'a peur de personne. Il avance, il attaque autant de fois un enfant de Dieu. Même s'il est échoue aujourd'hui, cela ne veut pas dire qu'il te laisse. Il va revenir demain. Nous avons vu avec le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a été tenté dans le désert, qu'est-ce que la Bible nous dit Quand le diable l'a tenté trois fois, il n'a pas pu. La Bible dit, le diable se retira de lui attendant un autre moment favorable. C'est-à-dire, il ne lui lâche pas. Vous pouvez remporter une victoire aujourd'hui. Ce n'est pas Fox qui m'a dit que c'est fini avec le diable. Non, mais bien aimé dans le Seigneur, il reviendra, il attaquera, il continuera. Cela veut dire que notre vie est continuellement en combat. Nous sommes en perpétuel combattant que nous sommes sur la terre. Nous sommes dans un champ de bataille. Nous devons nous comporter comme des soldats dans le champ de bataille. Nous devons être conscients des dangers et de l'environnement auquel nous nous trouvons. Voilà, bien aimé, la vraie réalité du combat spirituel auquel nous nous retrouvons. Si nous parlons de la délivrance, c'est parce que cette réalité, bien aimé, dans le Seigneur, est tout autour de moi. Vous ne pouvez pas ignorer cette réalité, parce que ignorer cette réalité, c'est tout simplement se mettre en danger. Nous prenons les annonces. Et nous revenons juste après ces annonces. Que Dieu vous bénisse. Voici l'époux et une chaîne chrétienne qui vous parle de l'évangile des grâces de notre Seigneur et son Sauveur Jésus-Christ. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement, nous dit les Écritures. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne pour recevoir continuellement nos enseignements que nous mettons en ligne. Nous vous remercions pour votre soutien spirituel, matériel et financier. Si vous désirez recevoir nos livres, le système de contrôle, le triomphe de la croix, l'Armageddon, le principe universel du choix, et plus spécialement notre nouveau livre sur la délivrance, diagnostic et remède. Nous vous prions de nous faire parvenir sur notre numéro WhatsApp plus 243 81 517 1515, votre nom complet, votre adresse postale et le titre du livre que vous désirez. Nous vous serons très reconnaissants pour votre participation financière volontaire, pour nous permettre d'imprimer le livre et d'en faire bénéficier à un plus grand nombre de personnes. Voici les l'époux 100% Jésus-Christ. Voici l'époux 100% gratuit. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous parler maintenant du chapitre 1 toujours, mais le point 3. Satan et son œuvre des... L'œuvre dévastatrice du diable. Prenons Jean au chapitre 10, le verset 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit La Bible nous dit les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu, enfin, que le brebis ait la vie et qu'elle aient dans l'abondance. La mission qui Jean L'apôtre de Jésus-Christ, l'évangéliste, nous montre du diable, se résume en trois choses. Le travail de Satan consiste à dérober, à égorger et à détruire. Quelle que soit l'amitié que le diable peut vous faire, quelles que soient les bonnes relations que vous pouvez établir avec lui, quels que soient les avantages ou les faveurs que le diable peut vous donner, Sachez-le que derrière ça, il veut vous détruire, il veut vous égorger, il veut tout simplement vous voler. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez jamais deep. Satan, ce qu'il nous propose, que ce soit sur le plan matériel, financier, sur le plan pouvoir, sur le plan succès, réussite, si c'est le diable qui vous propose cela, Sachez le qu'il y a trois choses qui sont attachées à cela, qui sont derrière. Même si aujourd'hui vous ne voyez pas cela, demain vous finirez par voir ça. Ces choses sont qu'il va vous dérober, voler tout ce qui est de Dieu en vous. Il va vous égorger, vous tuer. Et il va détruire votre vie. Le diable, c'est ce qu'il fait. C'est pour cela que je dis le travail du diable consiste à séduire les enfants de Dieu pour les amener en enfer. Il n'a pas un autre travail. Séduire les enfants de Dieu pour les amener en enfer. Que vous, ne voulez, que vous voulez, que vous ne voulez pas, le but premier du diable, c'est séduire les enfants de Dieu et les amener en enfer. Les diables attaquent les chrétiens, les enfants de Dieu, avec des maladies, des infirmités, des accidents, des pensées malsaines, des désirs impurs, des propositions contre la volonté de Dieu. Des complications diverses dans le but de l'air rendre incapables de s'approcher de Dieu, aussi les empêcher de travailler dans l'œuvre de Dieu. Vous voyez, le diable est là. S'il n'arrive pas à vous séduire pour vous amener en enfer, il va commencer par les attaques, des maladies, des infirmités, des accidents, vous envoyer des pensées malsaines, des, des, des désirs impurs des propositions contre sa volonté. On vous propose quelque chose. Vous voyez vraiment que la proposition est alléchante, mais derrière ça, ça ne cadre pas avec la volonté de Dieu. Vous voyez, le diable veut à ce que vous soyez dans l'incapacité de vous approcher de Dieu et aussi de faire l'œuvre de Dieu parce que une fois vous êtes malade, une fois vous êtes dans une infirmité, une fois vos pensées sont polluées, une fois votre vie est devenue indésirable, même vous-même vous ne saurez plus vous approcher de Dieu. Le diable va commencer à multiplier les accusations dans votre pensée, dans votre esprit que vous ne méritez pas de vous approcher de Dieu. Il va commencer à faire son œuvre destructrice pour vous éloigner des dieux. Bien aimé dans le Seigneur, il est important que vous compreniez que le diable ne propose pas des choses gratuitement. Le diable ne donne rien pour rien. Tout ce que le diable donne, en contrepartie, c'est pour vous amener en enfer. Donc, le plaisir de ce monde, la gloire de ce monde, la réussite qui vient du diable, parce qu'il y a aussi la réussite qui vient de Dieu, il y a aussi la gloire qui vient de Dieu. Mais moi, je parle de ce que le diable donne. Le seul but qu'il poursuit derrière, c'est vous amener en enfer. De l'autre côté, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de la délivrance. Ces sujets, des fois, ça dérange les enfants de Dieu. Quand vous parlez de la délivrance, des gens, on vous regarde, on vous dit, mais c'est quoi ces sujets Beaucoup de gens prennent ça mal. Sans se rendre compte que notre Dieu est le Dieu de la délivrance. Lui-même, dans la Bible, se révèle comme le Dieu de la délivrance. Je lis, par exemple, dans Psaume, au chapitre 68, à partir du verset 20. La Bible dit... Dieu est pour nous le Dieu de délivrance, ça se merveilleux. « Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Vous voyez, Dieu est pour nous le Dieu de la délivrance. Dieu lui-même se présente dans sa parole comme le Dieu de la délivrance. Si quelqu'un ne veut pas de la délivrance, il se prive d'une partie de la gloire de Dieu. Si quelqu'un ne veut pas de la délivrance, si quelqu'un ne veut pas se servir de ces choses, si quelqu'un ne veut pas entrer dans cette dimension de la délivrance, il se prive d'une partie de Dieu, parce que Dieu lui-même est le Dieu de la délivrance. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons nous réjouir de ce que nous avons un Dieu qui se présenté à nous comme le Dieu de la délivrance, de la même façon que Dieu s'est présenté à nous comme le Dieu créateur Elohim, comme le Dieu qui a ni commencement ni fin, comme le Dieu qui est un feu dévorant, comme le Dieu qui est plein d'amour, plein de compassion, de fidélité, comme le Dieu qui sauve, qui guérit. Il se présente aussi à nous comme le Dieu des délivrances. Il est le Dieu de notre délivrance. Cela veut dire, que si vous avez un problème qui nécessite une délivrance, eh bien, ne vous cracassez pas allez dans votre chez votre Dieu parce que il est aussi le Dieu de la délivrance bien-aimé dans le Seigneur écoute déjà ce que Isaïe à son temps pouvait parler de ces dieux Isaïe au chapitre 12 le verset 2 nous dit voici Dieu est ma délivrance c'est Isaïe qui dit voici Dieu est ma délivrance je serai plein de confiance et je ne craindrai rien car l'éternel, l'éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui me sauve. S'il m'arrive quelque chose, si je tombe, si le diable essaie de m'attaquer, si le diable essaie de me rouler, si ceci, cela, bien aimé dans le Seigneur, je sais une chose, j'ai un Dieu qui est pour moi la délivrance. Je n'ai pas besoin d'aller chercher un charlatan, je n'ai pas besoin qu'on m'amène chez un marabout, je n'ai pas besoin de qui que ce soit, j'ai connu mon Dieu. Il est le Dieu de la délivrance, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons nous réjouir, nous devons être dans la joie, parce que notre Dieu est le Dieu de la délivrance, bien aimé dans le Seigneur. Vous servez un Dieu qui s'est révélé en vous comme le Dieu de la délivrance, et vous devez vous approprier de cet attribut de Dieu que ton Dieu est pour toi la délivrance, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons nous réjouir. Nous en tant que de Dieu, nous sommes dans la joie parce que Dieu a tout prévu pour nous d'avance. Nous avons un Dieu qui est le Dieu de la délivrance. C'est pour cela que je parle de la délivrance. C'est pour cela que je suis dans la joie de partager ces moments avec vous parce que j'ai pris un Dieu de la délivrance. C'est pour cela que nous pouvons parler de la délivrance avec autant de joie, de, de facilité, euh, autant de clarté, parce que Dieu lui-même est le Dieu de la délivrance. Hallelujah Que Dieu soit grandement béni. Alors nous allons au point 5, le deux dimensions de la délivrance. Je parle de deux dimensions de la délivrance. Alors quand vous lisez par exemple... Dans Luc au chapitre 4, verset 18 à 19, Luc chapitre 4, 18 à 19, la Bible dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement des vies, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année des grâces du Seigneur. » Quand vous regardez les canevas, la feuille de route de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, parce que moi j'appelle ça les canevas, la feuille de route, vous voyez, projet de société de Jésus, voilà. Les projets de société, les projets de Jésus pour l'humanité. Le caneva, son, son fil conducteur, quand il est venu, eh c'était tout simplement pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour renvoyer libre les opprimés, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, publier une année des grâces du Seigneur. C'est ça. Et quand vous regardez ces canevas, ces cahiers, ces feuilles de route, vous allez vous rendre compte que cela s'applique et à la fois sur le domaine spirituel et à la fois sur le domaine matériel physique. Donc, le Seigneur agit directement sur le plan spirituel et aussi sur le plan physique. Vous voyez, donc nous avons... Deux délivrances qui vont directement de Père, physique et spirituel. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas vous priver de la délivrance de Jésus sur le plan spirituel, comme aussi vous ne pouvez pas vous priver de la délivrance de Jésus-Christ sur le plan physique. Si vous avez des problèmes spirituels, eh bien, il y a une délivrance qui est prête prête pour vous. Si vous avez des problèmes sur le plan physique, sachez les aussi qu'il y a une délivrance des seigneurs qui est aussi pour vous. Si vous avez des problèmes sentimentaux, émotionnels, des problèmes dans toutes les dimensions, laissez-moi vous dire, tout a été déjà prévu par la Parole de Dieu, afin que vous puissiez retrouver votre délivrance. Le travail de Christ pour le salut de l'humanité passe par la délivrance dans tous les domaines, voilà, dans tous les domaines, vous pouvez avoir la délivrance. Les Écritures placent l'œuvre de la délivrance de Christ dans le passé, dans le présent et dans le futur. J'aimerais lire ce verset avec vous. Des de Corinthiens au chapitre 1, le verset 10. Des Corinthiens chapitre 1, le verset 10. La Bible dit, c'est celui qui nous a délivrés. Et qui nous délivrera d'une tellement lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous voyez Donc, quand je lis ce verset, je me dis Waouh Quel verset magnifique La Bible dit que Dieu nous a délivrés. Ça, c'est au passé. Et qui nous délivrera d'une telle lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore, au futur. Cela veut dire. L'œuvre de la délivrance, c'est une œuvre permanente. Dieu a commencé sa délivrance dans le passé. Il a cheminé avec ça et il continuera. Il nous a délivrés dans le passé. Il nous délivrera aujourd'hui et demain, Dieu me délivrera. Quelle assurance! Quelle assurance de la part du Seigneur qui, au fait, nous donne la délivrance de façon permanente. Vous avez votre délivrance permanente dans le passé, dans le présent et dans le futur. Dieu est capable de vous délivrer à tout moment, bien-aimé dans le Seigneur. À tout moment, votre délivrance est assurée. À tout moment, vous pouvez vivre votre délivrance. Et ça, c'est la chose la plus merveilleuse qui existe en tant qu'enfant de Dieu. Frère, bien aimé dans le Seigneur, nous avons la délivrance assurée. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas continuer à pleurer. Nous ne devons pas continuer à nous lamenter comme si nous n'avons pas un Dieu. Bien aimé dans le Seigneur au lieu de continuer à pleurer, au lieu de continuer à faire des nuits blanches, au lieu de continuer à aller à lire des livres, je ne sais pas quoi, qui vous dit des trucs. Et aujourd'hui, il y a tellement de techniques euh, 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 de la philosophie. Je parle de la philosophie qui vous donne un semblant de délivrance. La philosophie qui donne un semblant de la délivrance, mais qui n'a jamais été la vraie délivrance. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, nous, nous voulons de la vraie délivrance. Vous avez cette délivrance déjà assurée. Bien aimé dans le Seigneur, il est temps, je dis à quelqu'un, il est temps que tout ce qui vous embête puisse finir. Il est temps où les choses qui vous dérangent, il est temps où des situations où vous avez longtemps été esclave dans la servitude, il est temps des situations qui vous ont longtemps dominé puissent s'arrêter. Il est temps que ces faits étant, que cet scénario bizarre dans votre couple puisse s'arrêter. Je dis à quelqu'un, il est temps que toutes ces manœuvres subtiles de l'ennemi dans votre famille puissent s'arrêter. Il est temps tout ce que le diable a fait tout autour de vous bien-aimés puisse s'arrêter. et cela ne peut s'arrêter que lorsque vous vous allez comprendre que le temps est arrivé pour que ces choses puissent arrêter voilà pourquoi nous vous amenons cet enseignement cet enseignement à un seul bit le bit de cet enseignement est de vous armer de vous réveiller de vous donner de vous aider à prendre conscience que vous ne devez pas Continuellement souffrir alors que votre délivrance est présente, alors que Dieu a déjà préparé la délivrance. Il s'est révélé comme étant votre Dieu de délivrance. Vous vous mettez vous pouvez que vous approprier de cette délivrance et vivre une vie telle que Dieu le veut. Bien aimé dans le Seigneur, que cet enseignement puisse amener en vous une sorte de révolte spirituelle contre le monde des ténèbres, contre le Satan, contre les démons, contre les sorciers, contre tout ce qui était tout autour de vous, qui vous embêtait, bien aimé dans le Seigneur, eh hier. Ils vous ont vu une personne de rien, une personne voilà, qu'on pouvait malmener. Et laissez-moi vous dire, plus que vous êtes en train de suivre cet enseignement, plus vous serez incontrôlé, plus vous allez rompre les chaînes, sortir de ces liens, de cette servitude, de cette prison en nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que vous allez sortir en nom puissant de Jésus-Christ parce que c'est lui qui a dit l'esprit du Seigneur est sous moi parce qu'il m'a oué cette personne, Jésus-Christ n'a pas changé, il est le même hier aujourd'hui, éternellement de la même façon, il a guéri, il a agi hier, de la même façon il peut le faire dans votre vie laisse moi te dire, Dieu le fera et il peut le faire dans votre vie parce qu'il n'a pas changé Soyez grandement bénis bien-aimés dans le Seigneur vous qui avez eu l'opportunité de nous suivre dans cette émission nous venons prier recommander notre vie entre les mains du Seigneur Seigneur Dieu tout-puissant merci pour de moments merveilleux que tu permets que nous puissions passer avec mes frères et sœurs autour de la parole merci parce que tu dis dans ta parole vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira il est temps, Seigneur, que quelque chose se passe dans la vie de ma sœur. Seigneur, permets au Dieu de gloire, par la parole que mon frère et ma sœur écoutent, que quelque chose se passe en elle. Il est temps que ses chaînes soient rompues, que les liens soient coupés et que sa prison soit brisée et que mon frère et ma sœur soient libres. Je déclare libre mon frère, je déclare libre ma sœur, et je déclare que le monde de ténèbres, qu rend des ténèbres qui le rendait prisonnier, prisonnière, que ce monde des ténèbres puisse la lâcher. Seigneur, que quelque chose de puissant se commence dans sa vie dès cet instant. Merci pour la suite, le travail que tu as commencé en elle. Je prie que ce travail puisse continuer jusqu'à la fin. Merci pour ce que tu fais et tu continueras à faire. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à nous rejoindre chaque jour à 22h dans notre chaîne Voici les Pours pour suivre cet enseignement sur la délivrance, diagnostic et remède. Nous n'avons encore presque rien dit. Ça, ce n'est qu'une introduction. Mais, bien-aimés, nous allons manger de la vraie nourriture la parole vivante qui nous vient du ciel de Jésus-Christ notre maître notre seigneur soyez bénis si le seigneur tarde à venir on se voit demain à 22h je vous bénis au nom puissant de notre seigneur et sauveur Jésus-Christ amen